Ok, eh bien salut à tous et à toutes, on continue à faire notre exploration des démos sur les salles de Steam. Et aujourd'hui on part avec Bless Unleashed, donc un RPG. De toute façon on se fait une après-midi RPG. On va voir un peu ce que ça donne. Commencer. Donc un RPG, un JRPG, et au niveau des designs des caractères, des persos, c'est vraiment très JRPG. Voilà, typiquement... Alors, c'est typiquement ce qui peut m'énerver un peu, la meuf Ranger avec une armure qui ne protège rien. Hein. D'une loli, une brute mi-chat, mi-humain, et puis un beau gosse templier. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Armé d'un épée et d'un bouclier, les templiers tiennent en première ligne, après encaisser. Donc, c'est tank. Ok. Grégaire qui dévoile leur véritable force lorsqu'ils s'unissent. Ok. Berserker. Donc, intrépide guerrier. Foncé tête baissée, l'arme à deux mains. Donc là, ouais, c'est Cannon Glass. Et les Vargs. Donc, Vargs, mercantile incontestable de la forêt. Les Vargs sont des chasseurs réputés pour leur agilité et leur férocité. Créature pacifique à l'apparence de loup, vénère la bénédiction de la nature. Loup. Enfin, j'aurais plutôt dit félin, moi, que canin. Mais peuvent se transformer en bêtes sanguinaires s'ils sont menacés, d'accord. Ranger. Donc Ranger DPS distance a priori. Ouais. DPS physique distance, ok. Destruction de ces derniers par les flammes, ils ont rendu mortel. Ok. Les mages, maîtres des arts occultes, mages peuvent plier les éléments à leur volonté. De nombreuses rumeurs font état de leur incroyable puissance. Mais nul ne saurait dire jusqu'où elle s'étend. Donc, mage DPS magique, distance, hein, classique. Humain, d'accord. Prêtre, c'est Hippin, petits étrangers qui ont quitté des terres inconnues pour prendre de nouveaux départs. Et prêtre, c'est soignant. Donc, moi, je propose de jouer un berserker. Ah, je ne peux jouer que Varg. D'accord. Alors, par contre, pour Templier, je peux jouer humain ou Hippin. D'accord. Ranger, je peux jouer que Elf. D'accord. C'est raciste. Pour mage, je peux jouer humain ou elfe. Pareil, il y a besoin de la mini-jupe, c'est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à la qualité du jeu que la meuf soit en mini-jupe? Et prêtre, je peux prendre humain ou épine. Alors, ben dans ce cas, je jouerais bien un templier humain, dans ce cas. Masculin, féminin. Ou alors non, attendez. Non, non. On va jouer... un mage elfe masculin. Il classe le costume des hommes, mais bah voilà quoi. Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, hop, alors, paramètres détaillés déjà. Hop, position. Ouh, ça m'a l'air. Oh, ça m'a... Le constructeur de personnages m'a l'air très très compris. Alors, dans le lec, c'est une démo. On va regarder un petit peu quand même ce qu'il y a. Visage, je peux mettre. Ah oui, on peut vraiment. Non. Attendez, je comprends pas. Ok, d'accord, c'est clic droit pour revenir. Ouais, on peut vraiment. On peut vraiment tout personnaliser. Rotation de la cicatrice, intensité. La voix. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. Ouais, on va peut-être prendre le guerrier l'aventurier intrépide, pardon. Non, ça non. Ou le chevalier galant. J'aime bien le chevalier galant. Allez, on va prendre ça. Non, pas aigu. Ah, ça te mal. Pas mal, pas mal. Donc, on peut vraiment tout personnaliser. Hein, les muscles, très musclés ou pas du tout musclés. Tiens, on va mettre intermédiaire. Couleur de la peau. Ah ouais d'accord, oui, on est sur ce genre de sur ce genre de personnalisation là.
Éclat de la peau. Oula. It's time to hole up. Un petit peu de reflet, oui, mais pas non plus. Alors, des tatouages corporels. Est-ce que j'en veux? Non. Le haut du corps, épaisseur. Voilà, on peut vraiment tout, tout personnaliser. Alors, on va quand même changer notre coiffure. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Non, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ouais. Couleur des cheveux. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose dans ce goût-là? Ouais, ça me paraît pas mal. Couleur des cheveux 2. Oui, d'accord, ok, d'accord. C'était les mèches et les. Éclat des cheveux. On peut soit terne, soit un peu plus brillant, ok. Bas du corps. Ouais, pointure. On peut même régler la pointure. Allez, on va dire que c'est bon. On va pas passer 3 heures sur la création de perso, sur une démo. Hop, on va l'appeler bien entendu Nadrindel. Et on est parti. Alors, hop. Ah, il y a 3 personnages qu'on peut tester. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Je regarde, ouais, le stream est fluide. Non, c'est bien, je suis content de mon arrangement. Ça m'a pris un peu de temps à faire, mais je suis content de mon arrangement. Bon, pour l'instant, on est sur du scénario très classique, hein. On est l'élu. Ok. Donc, on doit trouver les fragments des dieux. Des rêves inquiétants perturbent votre sommeil. Bon, par contre, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Alors. Paramètres. Interface utilisateur. Ah, disponible après le tutoriel. Ah. Paramètres de commande. Ouais, bon. Ok, donc je vais me démerder en WASD. Ok. D'accord, donc ça se joue pas en combo. Ok. Est-ce que j'ai des choses à déplacer la caméra? Oui, bon, ça je sais. C'est pas très. C'est plutôt très classique. J'aimerais bien pouvoir changer la sensibilité de la souris parce qu'elle est un petit peu sensible. Saut. Contrôle, ok. Alors, c'est la première fois que je vois un saut, ça se fait sur contrôle. Viser. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'était efficace, visiblement. Ok, donc ça, c'est un dash. Ok, très bien. Toucher espace, c'est un dash. C'est nerveux comme gameplay, c'est plutôt assez nerveux comme gameplay, c'est pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. Sprint, shift. Allez, vite, 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 vite.
Utiliser une compétence, 1, 2, 3, 4, ok. 1, bah alors. Bah. Ok. Ah merde, j'ai utilisé une potion là. Je pige pas. Donc là, je régène ma mana avec C. Ok. V. Chance de coup critique accrue. Ouais. D'accord, mais... Comment dire? Tu me dis que les compétences sont sur 1, 2, 3, 4, et je veux bien le croire, mais... Mais en fait, c'est-à-dire que quand je touche sur les touches, j'appuie sur les touches, ça ne fait absolument rien. Donc ça, c'est pour enlever le HUD, ok. Non. Ah, ça, c'est pour quitter le mode plein écran, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ok. Bah. Alors ça c'est un petit peu. Alors, faut peut-être que je le verrouille d'abord. Non. Ok, ouais, mais. Mais je ne peux pas utiliser mes compétences, par contre. Ça, c'est quand même très très chiant. Monsieur, je veux utiliser mes compétences. Oui, on s'était pas content, mais moi j'aimerais utiliser mes compétences et je suis pas content non plus. Mais tu te fous de ma gueule, le jeu? Non, 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 non. Là j'appuie. Vous voyez pas, mais j'appuie sur toutes les touches. J'ai failli appuyer sur la touche éteinte de le PC, ça aurait été dommage. Je fais une capture d'écran, super, je suis content. Ben, non, ça non plus. Hop, j'en ai pas besoin. Alors si on va peut-être quand même augmenter le cadençage. Hop, par contre. Voilà, excusez-moi. Non mais... paramètres. Son langue. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si je fais 1, ça ne fait absolument rien. 1, 2 ou 3 ou 4, ça ne fait absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi le jeu. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne te plaît pas, s'il te plaît. Donc, elle, je peux sauter aussi. C'est quoi le souci? Vas-y, explique-moi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas utiliser mes capacités. C'est terrible. C'est absolument terrible. Didacticiel. Compétences. Commande de base combo. Dérobade. Récolte. Extraction. Sac. Emplacement rapide. Menu ring. Carte, action contextuelle, mort imminente, téléposte métropolitain, téléposte d'union, monture, sprint, verrouillage de la caméra, paramètres et commandes des utilisateurs.
distance est caméra, j'ai des âmes, cuisine, partager les plats, étape, personnage, réputation, objet, équipement, classe, compétence de classe de mage. Ouais. Donjon, amélioration. Autre. Campagne, coffre au trésor, passe blesse. Communauté, guilde. JCJ, ok. Je comprends pas ce qui se passe. Soutien. Ah non, hein. Non, non, commence pas à me faire chier. Vous ne pouvez pas utiliser ceci en combat, d'accord? Bon, alors, vous savez quoi? Section du personnage. Ah. Je vais finir par le descendre, ça va être juste très long, mais putain, mais je lui fais tomber 3% de vie, s'il te plaît. Je bouge tout mon mana, moi. Et je ne peux pas faire de compétences. Ok. Non mais je vais pas y passer 3 heures. Je vais baisser que 10% de vie là quand même, hein. Non mais c'est terrible. Même pas, je suis à même pas 10%, mais sérieux quoi. Bon, attendez. Hop. Vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Non, ça. Hop. Voilà, bon, hop, c'est temporaire. C'est juste le temps que je règle le souci. Du coup, vous allez voir ma tronche. Sauf que je vais quitter le jeu, j'ai quand même pas envie de... Okay. Hop, je vais relancer. Oui, mais on va essayer avec une autre classe, voir si c'est si c'est la classe mage qui bug ou si c'est si vraiment lié au jeu. Désolé, hein, du coup, c'est vrai que ça casse un peu le rythme, mais c'est quand même bizarre, hein, leur truc. Pas dire, mais c'est spécial, avouez. Avouez que c'est spécial. Gueule, toi. Ok, c'est bon. Ok, parfait.
Bon, du coup, je relance le jeu. Ouais, mais si les compétences marchent pas, comment tu veux passer? Enfin, pas possible, quoi. Alors, commencer. On va créer un personnage. Cette fois-ci, je vais créer Oh, je crée un berserker cette fois-ci. Ouais, une femme berserker. Hop. Terminé. Nadette. Là, c'est vraiment pour tester, hein. Je n'ai pas du tout regardé les personnalisations de personnages. Mais par contre, ça, le créateur de personnages a l'air excellent. Je ne le nie pas, mais ce serait quand même bien d'avoir un jeu qui fonctionne, hein. Parce qu'avoir un très beau créateur de personnages, c'est très bien, mais. Ok. Allez, hop, on suit la personne. Ah, attends, déjà, on va voir. Non, ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner. Non, les compétences n'ont toujours pas l'air de fonctionner, hein, par contre. Oh, du tourbilol. Par contre, les combos sont assez sympathiques. Même si on a peut-être un peu trop guidé, mais sympa. Ah ouais, je sprint, je sprint, je sprint. Alors. Des compétences puissantes, mais ouais, non, mais non, ça marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas, terrible. Non, ça va faire, ça fait exactement la même chose. Hein. J'ai beau marteler toutes les touches, il n'y a rien qui se passe. Non, non, il n'y a absolument rien. Hein. Alors, c'est très bien d'avoir un beau jeu, messieurs, mais il faudrait peut-être un jeu qui marche. Non, je suis en train de marteler le clavier. Bon, là, j'ai utilisé une potion, super. On va peut-être remettre le H. C'était F5? C'était quoi pour la chute? F7. Non. Non, non, bah je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bah je crois que ça va arrêter le test ici, hein. Bon, du coup, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin, mais. Les compétences ne fonctionnent pas. Les compétences ne veulent pas fonctionner. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être pour qu'on puisse essayer d'y retourner à l'avenir. Mais là, je vois pas en fait. Là, je vois pas parce que de toute façon, je suis obligé de le passer. Ouais, je peux pas passer. Ouais, non, je peux pas passer. Il faut que je batte le bagarreur orc. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez comment faire pour débloquer les compétences, parce que là, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème sur mon PC ou est-ce que c'est un problème du jeu, parce que c'est ça que j'accuse le jeu, mais après, ça peut tout aussi bien être mon PC, hein. Bref, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, et moi, je vous dis à toutes et à tous.
Salut. Bye bye!